أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nous avons donné une dignité à qui? À Bani Adam. Bani Adam. Chaque être humain, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une dignité. Cette dignité, elle est révélée quand Allah subhanahu wa ta'ala, pour la première fois, Jibril descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Jibril descend sur le prophète, قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète, avant l'arrivée de la révélation, كان يرؤى, c'est-à-dire qu'il faisait des rêves. Il faisait des rêves, كان تأتي كفلق الصبح. Quand il faisait un rêve, il le voyait le lendemain. Il y avait une vérité le lendemain qu'il avait dans le rêve. Et ça a duré pendant 6 mois. Après, le prophète, ce qu'il aimait, c'est s'isoler de ce monde pour méditer, pour réfléchir. Et un jour, il se retrouve dans sa méditation, quand il s'est consacré à Allah, il s'est consacré à cette méditation dans sa grotte, il y a Jibril qui descend. Et Jibril, il descend. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lis au nom de ton Seigneur. Même si le terme lit ici n'est pas significatif, parce que beaucoup de savants traduisent ce terme par récite. Mais regardez, d'autres savants nous expliquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il dit au prophète, le premier enseignement qu'il donne au prophète, c'est quoi? Récite, lis, iqra. Si tu veux tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu réveilles ta conscience. Il faut que tu comprennes le sens du monde. Il faut que tu comprennes la dignité humaine. Cette dignité ne peut s'établir que parce que tu vas chercher la connaissance. Iqra qabla an tusalli. Iqra, il faut que tu apprennes. Il faut que tu cherches. Il faut que tu saches. Iqra inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab. L'ayatim li ulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, dans la création des cieux et des terres, la succession des jours et des nuits, il y a un signe pour les gens doués d'intelligence. Autrement dit, si tu veux être un être responsable, et c'est ça le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est être un être responsable et qui assume ses choix. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que la ilaha illallah, c'est quoi? C'est une libération de tout, de shirk, de tous les petits dieux, ayyuha al-ikhwa, qui existent sur terre. De tous les petits dieux qui existent sur terre. Un jour, un compagnon qui arrive chez Kisra, il lui dit, vous qui êtes des va-nu-pieds, vous venez du désert, qu'est-ce que vous êtes venu faire chez nous? Il lui dit, jitna linukhrija an-nasa min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Nous sommes venus pour libérer les gens de quoi? De l'adoration des hommes à l'adoration d'Allah unique. Wa min dhiqi dunya, à l'étroitesse de la dunya, ila si'ati al-akhirah, à l'immensité de l'au-delà. Ji'na linukhrija an-nasa min ibadati al-ibad. Combien d'entre nous, ayyuha al-ikhwa, combien d'entre nous, on se dit croyant, musulman, mais on ne s'est pas libéré encore. On est croyant, colonisé. Dans quoi? Dans notre façon, notre manière de penser.
On est colonisé dans notre façon de s'habiller. On est colonisé dans notre façon de paraître. Il y en a, s'il ne met pas les marques, il ne peut pas sortir. Pourquoi ? Parce qu'il est colonisé dans sa tête par ces marques-là. Vous voyez, ici, il applique le shit sans le savoir. Combien d'entre nous, ayyuha l'ikhwa ? Istahdarani mawqifun min hayati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous parle de ça, ayyuha l'ikhwa, parce que en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, siratu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, on comprend combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait un sens à son action, donnait un sens à ce qu'il faisait. Et parmi les enseignements que nous tirons de sa vie, de tous les jours, ayyuha l'ikhwa, c'est que le prophète, par exemple, ayyuha l'ikhwa, il met deux ans, il consacre 2 ans à une intelligence stratégique pour savoir comment il va sortir de la Mecque. Quand il y avait les coups de boutoir des Mécois qui étaient contre lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va faire valoir ses principes. Même ces gens qui essaient de me tuer et qui essaient de me liquider, de mettre fin à ma vie, il va leur remettre quoi ? Les dépôts qu'ils ont laissés chez lui. Il a des principes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses principes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sait reconnaître le juste de l'injuste. Même si le juste, pardon, il n'est pas de ma religion, je sais le reconnaître. À un moment donné, quand les Mécois mettent une pression extraordinaire sur les compagnons, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il leur dit, allez-y en Abyssinie. Allez-y en Abyssinie, là-bas il y a un roi qui n'est pas injuste. Et là-bas il y a un roi qui donne la justice à tout le monde. Subhanallah. Il se révèle, ce roi, que c'est injuste, effectivement. Mais qui essaie de tuer le prophète ? Les gens de son propre peuple, de sa propre tribu. À Umm Salama, qui faisait partie, qui est devenue, après la mort de son mari, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous raconte ces événements. Elle nous raconte l'événement qui s'est produit en Abyssinie, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la 6e ou 7e année de la révélation, il dit aux compagnons, partez là-bas, partez pratiquer votre religion, à cet endroit. Où ça ? En Abyssinie, chez un roi qui est juste. Et je m'insurge contre l'injustice, d'où qu'elle vienne, même si elle vient de ma propre tribu, de mon propre peuple, de mon propre corps religionnaire, je dirais. Elle dit, nous sommes arrivés là-bas, il nous a bien traités. Et Quraysh, qui était l'ennemi du prophète, alors que c'était sa tribu, a envoyé une délégation à leur tête, ils étaient 3 personnes, à leur tête, Amr ibn al-As. Quand il arrive chez le roi, il lui dit, « Ya ayyuha al-Malik, je t'ai ramené des cadeaux. Au roi, je t'ai ramené des cadeaux. Et pas seulement, il y a des gens chez toi. Et des gens chez toi, soufah al-ahlam, des gens de faibles esprits, qui sont là, ils ont délaissé la religion de leurs parents. Et ils n'ont pas pris ta religion à toi. Ils ont innové, mubtadi'in. C'est ce qu'on répète aujourd'hui. Ils ont innové aujourd'hui. Et ils ont innové une nouvelle religion. » Alors, donne-les-nous. Il lui dit, le négus, il lui dit, je te les donne pas. Non, je te les donne pas avant de savoir ce qu'il en ressort. Et les compagnons qui étaient là, ils étaient combien ? 80. Ils avaient dédié Ja'far ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour les représenter. Il dit, dites-moi, pourquoi vous êtes là ? Alors Ja'far, il va dire des paroles extraordinaires, ayyuha l'ikhwa. Et regardez comment c'est concis, précis, et ça va taper dans les consciences. Il dit au roi, nous étions un peuple ignare. Nous étions un peuple ignare. Nous adorions les statues. Nous mangeons les charbons. Et nous nous donnons au pire des perversités. Nous rompions les liens de parenté. Nous rompions les liens de parenté. Et nous ne respectons pas notre voisinage. Le plus fort d'entre nous avilissait le plus faible. Tel était notre état. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie quelqu'un de chez nous, une bani jildatina. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie quelqu'un, une bani jildatina de chez nous, sur lequel on connaissait sa probité, sa véracité, sa chasteté, on connaissait tout ça, son honnêteté. Et de quoi il va nous dire ?
Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ya'muruna bi iqamati s-salat. Il va nous dire de prier. Wa husn al-jiwar, le bon voisinage. Wa iqami s-salat wa ita'i z-zakat, s'occuper du pauvre. Il nous a demandé d'adorer Allah et Allah seul, l'unique. Il nous a exhorté de dire la vérité, à rendre les dépôts, à maintenir les liens de parenté et à respecter notre voisinage. Ça, c'est l'islam, il y a des rois. Respecter le voisinage, ne pas rompre les liens de parenté. Ça, c'est notre islam, il y a des rois. Et à nous détourner des interdits, à ne pas porter atteinte à la vie d'autrui. Il nous défendit de nous donner, de nous adonner aux turpitudes, de proférer des obscénités, de consommer l'argent de l'orphelin. Et de ne pas accuser des femmes chastes. Il nous ordonne d'adorer Allah sans rien lui associer, d'accomplir la prière. De donner le monde et de pratiquer le jeûne. À un moment donné, Al-Najashi, le Nébus, il lui dit, et est-ce qu'il y a dans votre livre quelque chose qui me parle de ça? Parce que Amr ibn al-As, il dit sur Marie quelque chose de grandiose. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il dit sur Marie. Il dit, qu'est-ce que vous dites sur Marie? Il dit, nous disons ce que le prophète nous a enseigné, ce que le Coran nous a enseigné. Ah, tu peux me dire? Tu peux me dire ce qu'il y a dans votre Coran? Ja'far ibn Abi Talib commence à réciter Sourate Maryam. وَذُكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا تقول أم سلمة اللي أخذ أبوى رسيتي l'histoire de Marie quand elle a eu l'annonciation qu'elle va avoir un enfant قالت بالله لقد بكى النجاشي بكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكى القساوسة أمامه. Najashi a pleuré jusqu'à yani, embibé sa barbe. Et les évêques à côté de lui ont pleuré jusqu'à mouiller leur parchemin. Najashi a dit, par Allah, par Dieu, ce que vient de lire Ja'far, cette religion et la religion de Moïse sortent d'une même, c'est un rayon qui vient d'une même lampe. Amr ibn al-As n'a pas lâché prise. Il dit sur Jésus quelque chose de phénoménal, vous ne pouvez pas imaginer, oh roi. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites sur Jésus? Ce que nous a appris le prophète et le Coran. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites? Nous disons que c'est l'esprit de Dieu. قال والله يا عمرو والله يا عمرو لا أسلمك هؤلاء بجبل من ذهب النجاشي النديسي يا عمرو بن العاص je te donne pas cela pour une montagne d'or je te le donnerai pas justice fille ou l'écho la justice qu'on a retrouvée chez un chrétien mais pas chez un musulman pas chez les arabes justice qu'on a retrouvée chez un chrétien et pas chez les arabes les ulama ils en ont tiré des conclusions à travers ça. Parce qu'il s'est passé des événements. Umm Salama raconte que Ubayd ibn Jahsh, qui était le mari de Umm Habiba, la fille de Abu Sufyan, il va se convertir au christianisme. Il va mourir chrétien. Et Umm Habiba, elle va rester sans mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie, il lui dit viens à Médine. Il va l'épouser, la fille de Abu Sufyan. Il se passe un autre événement. C'est que Najashi le Négus, qu'est-ce qui se passe? Son cousin va se rebeller contre lui. Il va se rebeller contre lui et les musulmans vont être très attristés. Et ils vont aider le Négus à combattre la rébellion. Et il reprendra son pouvoir. Subhanallah. Les ulamas, ils en tirent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements de ça. Le premier enseignement, il va dire quoi? Les premiers enseignements, Ja'far,
quand il parle de l'islam, il parle du vrai visage de l'islam. Notre islam, ayyuha al-ikhwa, c'est le lien de parenté. Notre islam, c'est un na'budallah. Notre islam, c'est de faire attention au voisinage. Notre islam, c'est de se tourner vers le pauvre. C'est ça notre islam, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala fait awwal al-ayat. Les premières ayats qui sont descendues sur le prophète fi surat al-fajr. Kalla bal la tukrimun al-yatim wa la tahaddun ala ta'am al-miskin. Les premières ayats. Nous aurions vers quoi ? Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi. Yani, préserve, patiente et endure avec ceux qui sont là à parler et à invoquer leur Seigneur. Yuriduna wajha. Parce qu'ils cherchent quoi ? Les louanges d'Allah, ils cherchent la face de Dieu. Reste avec eux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez être dire la ilaha illallah et vous libérer, gagner votre liberté, tournez-vous par ceux qui ont été asservis et qui n'ont pas de pouvoir. Donc, sors de ce pouvoir constitué. Ne donne pas allégeance à ce pouvoir à se constituer, n'aie pas peur de ce pouvoir constitué, et donne allégeance à qui ? À ces gens-là qui n'ont pas de pouvoir. C'est ça qui va te libérer. Le jour où tu n'as plus peur du président, tu n'as plus peur du pouvoir constitué, là tu t'es libéré. Comme Moussa alayhi salam, il dit Ya Rabbi ni akhafu, ni ta'alina, pas de Fir'aoun, j'ai peur. J'ai peur de Pharaon. Il dit, là, ta khafa, n'aie pas peur, je suis avec vous. Quand tu sais qu'Allah est avec toi, tu as une certitude, tu n'as plus peur de rien. Donc tu ne renieras pas tes principes. Et c'est ça la leçon. La première leçon, c'est que quand Najashi est rentré, tout le monde s'est prosterné devant lui. Pas les musulmans. Najashi leur dit, vous ne prosternez pas votre prophète ? Ah là là. Nous, on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut les rendre, il peut les emprisonner, il peut faire ce qu'il veut. Mais nous avons des principes. C'est ça la première leçon que donne Ja'far ibn Abi Talib. La deuxième leçon, justement, quand il lui dit, Jésus, qu'est-ce que vous dites sur Jésus ? On dit la vérité. On ne va pas faire tourner les choses, enlever des choses dans le Coran. Il y a des gens qui me disent, il dit, allez, tout le Coran, il ne faut pas en parler aujourd'hui. Pourquoi ? On va effacer le Coran. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. هذه الآية نزلت في من؟ في النجاشي. الله سبحانه وتعالى nous dit les gens les plus proches, les gens qui sont les plus durs envers les musulmans, qui sont les plus ennemis des plus musulmans, ce sera qui? Les gens du livre, اليهود والذين أشركوا, et ceux qui ont associé à Allah. ترى أعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق. الله سبحانه وتعالى dit leurs yeux s'emplissent de quoi? De larmes quand ils connaissent cette vérité, quand ils ont connu cette vérité. En parlant de Najashi, il va pas changer les choses, il va pas lui dire nous Jésus peut-être, non, نحن لا نعبد إلا الله, nous avons des principes. Et regardez Allah سبحانه وتعالى dans nos principes, il nous dit tournez-vous vers le pauvre. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, ayyuha al-ikhwa, pour réveiller notre conscience ? Combien de temps on passe par jour à étudier et réveiller notre conscience ? Combien de temps on a consacré à nos pauvres ? Quel est notre engagement vis-à-vis... Vous avez vu les réfugiés, ayyuha al-ikhwa ? Bien sûr, quand vous regardez la société, en parlant des réfugiés. Vous avez des gens, on est chez nous, dégagés, on est chez nous. D'accord, barakallahu fik, shukran, on savait que tu étais chez toi. Barakallahu fik. Mais il y a d'autres gens, subhanallah, qui s'investissent auprès de ces réfugiés-là. Parce que des gens qui fuient la guerre, parce que des gens qui fuient la famille, des gens qui sont de notre, qui ne sont pas de notre religion, on n'a pas vu des musulmans s'investir pour ces gens-là. Mais on a vu des gens qui n'avaient pas la religion musulmane et qui s'investissent pour ces gens-là. كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Le deuxième enseignement, notre ou quatre les frères, cinq enseignements, le plus compétent c'est celui qui représente le musulman. Ja'far ibn Abi Talib, quand il parlait, il savait parler. Donc on devra et on doit choisir le plus compétent des musulmans pour nous représenter. Et pas laisser ceux qui nous représentent, ou ceux qui parlent à la télé ou qui parlent dans les médias,
Ils ne savent pas mettre un mot devant l'autre. On expliquera pourquoi les médias, ils aiment amener des gens comme ça. Mais dans un autre discours, Inch'Allah. Avoir un discours concis, comme il l'avait déjà fait à Vitaly. Nos préserves et nos principes ne sont pas immuables, ayyuha l'ikhwa. Et la dernière chose, ayyuha l'ikhwa, la participation active des musulmans dans les affaires de la cité. Quand Najashi il a été attaqué par son cousin pour lui ravir le pouvoir, les musulmans se sont mis du côté de Nigus. Se sont mis du côté de Nigus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en France, ayyuha l'ikhwa. Nous sommes en France. Il y a des choses en France qui sont en compatibilité avec nos principes. On doit les défendre, on doit se montrer, ayyuha l'ikhwa. Quand il y a le mariage pour tous, il n'y a pas la voix du musulman, on ne l'entend pas. On entend la voix de la France profonde, mais on n'entend pas la voix du musulman. Mais quand il y a des choses qui sont émises par le politique sur lesquelles on n'est pas d'accord, il faut le dire haut et fort, on n'est pas d'accord avec tes choix politiques. La ilaha illallah. Dernière chose, ayyuha l'ikhwa. Dernière chose. Il y a un événement qui s'est produit. C'est que quelqu'un s'est converti au christianisme. Il a quitté la religion musulmane. C'est une minorité. Elle a fait une action qui a déplu au prophète. Il n'a pas pris des mesures extraordinaires par rapport à ça. Il s'est converti, il a changé de religion. Libre à lui. Libre à lui. Sauf que le prophète n'a pas laissé sa femme seule. La femme de celui qui vient mourir. Il l'a fait venir à Médine, il l'a épousée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، الكلمة الطيبة. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في سورة إبراهيم: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الكلمة الطيبة لا بون بارول أيها الإخوة لا بون بارول. Je vous dis ça أيها الإخوة parce que j'ai assisté à une correction d'un enfant. والله عجب أيها الإخوة. Nous, soit on laisse libre cours à nos enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils sont dehors, ils rentrent à 11h à la maison, ils sont sur Internet, on ne sait pas ce qu'ils font. Soit quand on les corrige, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toi le père, tu ne sais pas, quand tu dis à ton fils, Hamar, Anne, quand tu lui dis ça, tu ne peux pas savoir ce qu'il ressent, et comment il peut tenir ça jusqu'à quand il aura 40 ans et 50 ans. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer quand tu lui dis de paroles douces à ton fils, comment ça, ça va rayonner dans son psychisme et dans sa personnalité. Tu ne peux pas imaginer. Alors, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, tout à l'heure, on parlait quand il était fait Rahira ou Anazel. Et quand il a eu peur, il a dit Zemmilouni, Zemmilouni. Zemmilouni, Zemmilouni. Akhadatou Khadija. Regardez la bonne parole. Elle lui dit Wallahi. إن الله لا يتركك الله سبحانه وتعالى فقط تجلسي لأنك يعني تصل الرحيم في quelqu'un qui ne rompt pas les liens de parenté وتحمي الضعيف وتأوي الأيتام وتأمر بالصدقة وتصدق الحديث. Tu prends soin des orphelins, tu prends soin des pauvres et tu dis la vérité, tu dis des choses toujours vraies, tu es honnête. Allah سبحانه وتعالى لا يتركك. Ça veut dire quoi ça, ayyuha l'ikhwa? Impossible. Il est impossible. Wallahi lazawalu dunya. Impossible. Quand quelqu'un est honnête, il est véridique, il respecte les principes, il croit en Allah. Impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala le délaisse. Impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala le délaisse. Dernier message, Allah subhanahu wa ta'ala, kalima tayyiba. Kalima tayyiba, ayyuha l'ikhwa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ma min yawmin, chaque jour que Dieu fait, ma min yawmin, illa wa taqulu al-jawarih, les glissades. الجوارح les membres de notre corps disent à notre langue تقل لها فينا crains en nous parce que nous irons en enfer si tu dis n'importe quoi et nous irons au paradis si tu te retiens. فأنت tu es سجين tu es prisonnier de la parole que tu as lancée. ورقب نوفل le cousin de Khadija quand elle lui présente ce qui est arrivé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il lui dit والله إنه لم نموس.
Ce qui t'arrive, c'est exactement ce qui est arrivé à Moïse. Si Dieu me prêterait, j'assisterai au jour où ton peuple va te sortir de ta cité. Ils vont me sortir. Sache que si tu portes ces principes-là haut et fort, ce qu'on vient de dire, tu vas avoir l'adversité en face. Mais si tu sais qu'Allah est avec toi, tu n'as peur de personne. Pourquoi ? Parce que ton cœur est rempli. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لصلاتكم وركعتكم